Yes, 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 il est shiny. Oui. Yes, let's go, il est shiny, le voilà. Yes. Oh yes, let's go. 2819 battle decks et il est là. Oh, enfin. Bonjour YouTube, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo de Pokémon Shiny. Et là, si je viens de changer de scène sur mon OBS, c'est tout simplement parce que j'aimerais vous parler du concept de ce nouveau challenge. Ce challenge, je l'ai appelé le Hop Battle Shiny Quest, comme c'est écrit là. Le concept est très simple. À chaque fois que je vais battre Nabil une fois dans mon aventure, je vais devoir capturer un Pokémon Shiny. Sachant que ce n'est pas comme la Dream Team Quest où le Pokémon doit être un Shiny bien précis. Là, je capture le premier Pokémon Shiny que je vais rencontrer. Alors, si j'ai décidé de chasser Voltoutou et Krillecroc, c'est très simple. C'est parce qu'il y a le premier combat qu'on fait avec le starter, mais le starter n'est pas resetable en Shiny. Et Krillecroc sera du coup ma cible pour le prochain. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un combat que j'ai fait exprès de ne pas faire et que je ferai sûrement. Donc voilà, Shiny en 2819, il tombe enfin, ça fait plaisir, c'est mon premier Shiny du coup pour ce challenge, hein, on vient à peine de le dire. Donc bon, on va passer tout de suite à la capture de ce Voltoutou femelle. Bon, ce qui est bien, c'est que c'est aujourd'hui que j'ai enfin réussi c'est aujourd'hui que j'ai réussi à terminer... de faire 500... Enfin, j'ai atteint les 500 Voltoutou aujourd'hui puisque je fais du Battle Dex. Voltoutou qui est très beau en Shiny, hein, on va pas se le cacher. Je vais juste aller faire une petite annonce sur Insta et sur Twitter et sur Discord. Shiny. Du coup YouTube. Après 2-3 petits messages envoyés sur Discord, sur Twitter. On se retrouve pour la capture de ce Voltoutou Shiny qui, comme tu l'as vu, est tombé en 2819 Battle Dex. On va commencer, je ne peux pas du coup l'attaquer. Donc on va tout simplement spammer les Pokéballs. Le chat te salue, hein, bien évidemment. 1, 2. Ok, il sort. Ah ouais, d'accord, mais qu'il est balèze. Ok, bon, les animations de combat... What? C'est quoi ce machin trop cheaté? Salut Alexis, j'espère que tu vas bien. Putain, allez, 1, 2. Allez, j'aurais tellement chassé pour celui-là. Let's go! Enfin, putain! Du coup, YouTube, on se retrouve tout de suite pour le résumé de ce Voltoutou Shiny. YouTube. On se retrouve pour le résumé de Pink Pooch, le, bien évidemment, fameux Voltoutou chromatique. Tombé, je rappelle, en 2819 Battle Dex, mais bon, j'ai commencé Voltoutou après Krillecroc, il me semble que j'ai commencé vers les 1500, parce que je me suis dit, ouais, il faudrait peut-être que je prévoie déjà une deuxième chasse. Donc bon, et comme je l'ai dit, je ne cherche pas un Shiny bien précis, même si le Battle Dex permet justement de le faire. Donc du coup, il a Ramasse Ball, bon, bah du coup, ça pourrait être utile dans l'aventure, mais en soi, je m'en fous. Donc il a Charge Mimikeu, Frotte Frimousse, bon, c'est médiocre, mais il faut s'y faire. Donc du coup, niveau 6, il est Calme, donc Calme, c'est pas hyper fou, honnêtement. Attendez, je vais voir, il me semble que ça... Enfin, il me semble que ça augmente l'attaque et que ça diminue la défense spéciale, donc du coup, c'est pas forcément hyper fou... Nature, Wikipédia, non, pas Wikipédia, justement, Nature, Pokémon, voilà. Alors, il me semble que du... Attendez, donc du coup, Calme. Calme, ça diminue de 10 l'attaque, augmente de 10 l'attaque spé. Bah, ça va en vrai, parce que ce Pokémon tape exclusivement sur le spécial au bout d'un moment. Voilà, rien d'autre à dire, hein, sur la route 2.
Donc, mais la vidéo n'est pas finie puisque je t'offre un petit bonus. Bon, du coup, ça va pas être tout de suite, mais je vais XP tranquillou ce vol toutou et puis on se retrouvera pour le combat contre Nabil. A tout de suite, YouTube. Allez, let's go, on perd pas de temps. Mon plan, c'est de devenir le dresseur le plus balèze du monde. Et pour ça, il me faut de commandation à tout prix. Je vais montrer à mon frangin de quoi je suis capable. Yes. Un combat entre deux jeunes dresseurs, ça m'intéresse. Si vous voulez devenir des dresseurs invincibles comme moi, vous devrez apprendre à tirer une leçon de chaque combat que vous livrerez. Maintenant, place à la pratique. Prouvez-moi de quoi vous êtes à hauteur. Alors, c'est parti. Ah, je suis désolé, mais il faut forcer sur le son. Allez, allez, Ping Pooch! Va-t-il sweep la team de Nabil? Alors, t'as progressé, laisse-moi vérifier ça. Non, je suis toujours plus fort que toi, mec. Hein. Allez, on va faire Front Primus. En même temps, j'ai pas grand-chose d'autre à faire. Il fait charge. Oh, il me fait 2 PV. Enfin, 4, moins. Et pour ceux qui regardent les vidéos YouTube, je vous rappelle que tout ce que je fais là, c'est fait sur Twitch. Lien en description. Allez, mini-queue. On va jouer cancer. Et on va jouer un combat de 3 heures. Oh putain. Quel relou. Allez, charge. Les bonnes attaques du début. Ah, il fait des dégâts quand même. Allez, charge encore. Ah, ok, charge fait plus mal que Front Primus. Oh là là, il est chiant. Bon, on va switcher sur Papillusion après quand même. Sinon, le combat va durer 3 heures. Allez, Ping Pooch monte au niveau 10 et il apprend Morsure. Enfin, une meilleure attaque. Oh, je peux pas switcher! Oh, j'ai mis en mode défini, mais quel trou du cul. Oh, il fait écrase-face. Allez, écrase-face. Oh, il me fait quand même 0. Hein. Ah ouais, tu connais grave les unités des types. Hein. Allez, je te pars, mec. Allez, on va switcher sur Papillusion. C'est juste pour gagner du temps, parce que là, j'ai pas envie de faire un combat de 3 heures. Hein. Allez, Rafale Psy. Pif, allez, au revoir. Ok, ils étaient que niveau 8. Hein. Mais bon, ils spam rugissement, donc bon, j'avais pas le choix de switch un moment. Ça va être grave serré comme combat, j'adore quand c'est comme ça. Et ben, moi aussi. Allez, on va envoyer Pink Pooch. Oh, les belles étoiles. Pic pic. Est-ce que Ramasse Pokéball va s'activer? J'en sais rien. Bon, allez, il est niveau 5. Par contre, il est quand même plus rapide que moi. Hein. Allez, pic. Non, ça va. Bon, en même temps, il est niveau 5 et... Bon, bon c'est super efficace aussi. Et c'est stable. Pif. Allez, let's go. Ah là là, Voltoutou supérieur à Nabil. Vous avez battu Nabil le dresseur. Je suis un peu deg d'avoir perdu, mais ça prouve que t'es une rivale à ma hauteur. Pas trop modeste, mec. Mais je comprends pas, j'ai bossé mon lancer de Pokéball comme un ouf. Mais il n'y a pas que ça, mon cher Nabil, il y a les shiny. Mais après tout, peu importe de gagner ou de perdre,
Faut passer par les deux pour progresser. Retenez ça. Quel combat, j'en reviens pas. Allez, c'est décidé, je vais vous la donner, votre lettre de recommandation de maître. Allez, grouille-toi. Qu'est-ce que tu sauvegardes ? Recommandation, il vous permet de participer au défi des arènes. Ouais, merci Franchin, je vais pas te décevoir, je vais trop gérer ce défi des arènes. Vous avez encore des lacunes niveau technique, mais on sent bien votre passion pour le combat. Quand je repense à l'époque où tu te prenais la tête avec ton lancer de Pokéball, Nabil, tu as mûri depuis, c'est bien. Quant à toi, je suis off-mille, j'attends de grandes choses de ta part. Ça y est, on est officiellement en lice, faut qu'on se donne à fond pour devenir maître, c'est clair. Plus on fera de combats ensemble, plus nos Pokémon deviendront forts. Eh, mais c'est quoi ce truc? Ça s'appelle le scénario. Waouh, comme de par hasard. Les étoiles bleues, il y en a deux, bah... Ouais, bon, je m'en fous, je vais commencer à skip. Hein. Avec une étoile bleue, on peut faire dynamaxer nos Poké. J'en reviens pas, on raconte que les étoiles bleues... Ouais, tu veux devenir le meilleur, tu... Mais c'est moi qui vais te battre. Merci, madame. Ikam Nabil, tu ne dormiras pas ce soir. C'est quoi ce soir? Vous avez mangé des hookers parce que je me ferais bien un petit curry, c'est le truc à la mode en ce moment. Mais ça dure 3 heures ce jeu de mort. Tout ce que je veux là c'est sauvegarder. Enfin le matin notre aventure peut commencer pour de vrai. Bonjour à vous jeune dresseur, blablabla. Je reviens. Ah bah écoute, t'as raté un superbe shiny. Vous avez obtenu un pony Dynamax à part du professeur Magnola. Blablabla, fait à partir de toi le vœu trop stylé, je peux Dynamaxer. Bon, allez, j'ai assez lu le texte là. S'il te plaît, laisse-moi juste sauvegarder. Voilà, c'est bon. Enfin, je peux me casser. 100%, je vais comme faire agresser par l'autre Nabil. Non, c'est bon. J'ai un super conseil pour toi. Si on passe lentement, il y a moins de les avoir. Mec, j'ai fait quoi pendant 2800 rencontres? Sérieusement. Bon, écoute, YouTube, on va faire briller une dernière fois les étoiles, et puis je vais te laisser. Mini-ange classique. Et... Pink Pooch. Shiny. Donc bref, YouTube, prends bien soin de toi. D'ici la prochaine vidéo, je vous souhaite bonne chance pour toutes vos chasses de Shiny. N'hésite pas à venir sur la chaîne Twitch sur laquelle nous venons d'obtenir du coup ce pic coup, mais vous, ça fait que quelques minutes que la vidéo est en cours, mais moi ça prend un petit temps déjà. Allez, je vous embrasse et je vous dis à la prochaine YouTube.